One flies in the belly, I'll be the summer of your soul. See the way you love me, see the way you care for me. Carry my mother for your head, even there may all be no song. Like a little baby, you watch over me, you know they carry me in the play. Even there may all be no song.
Merci Seigneur pour ta présence manifeste dans la vie. En réponse à ton amour, je veux t'offrir ce chant. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Je ne saurais, je ne saurais lui rendre grâce. Je ne saurais lui rendre grâce. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant, oh mon Jésus est, il est puissant. Il est puissant, il est puissant, comme Jésus est. Il est amour, il est amour, il est amour, comme Jésus est. Il est amour, il est amour, il est amour. Comment décrirais-je cet amour? Comment expliquer cet amour? Comment sonder cet amour? Si puissant, si puissant, si puissant, je ne saurais. Je ne saurais lui rendre grâce. Je ne saurais lui rendre grâce. Oh, il m'a touché. Il m'a touché, oh mon Jésus, il m'a gardé, oh mon Jésus, il s'est montré, oh mon Jésus, il m'a changé, oh mon Jésus. Ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait pour moi est tellement grand. Ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait pour moi est tellement grand. Ce qu'il a dit de moi, ce qu'il a dit de moi, ce qu'il a dit de moi est tellement fort. Tu mérites toute ma louange. Shalom, shalom, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est ma main droite. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour tous tes bienfaits. Merci infiniment pour tous tes enfants connectés, pour toutes les familles connectées. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Nous te bénissons de nous accorder ce jour nouveau, ce 10 mai 2020, jour de grâce, jour de joie, jour de bénédiction, jour de faveur. En retour, nous te le donnons dans les moindres détails, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite
et que la gloire te revienne, Seigneur notre Dieu. Nous te bénissons infiniment pour ce temps que tu nous accordes, ce temps que tu nous donnes sur la voie de la guérison. En ce thème de comment lire et méditer ta parole, Seigneur notre Dieu. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Daigne par ton Esprit Saint, à qui nous disons bonjour et bienvenue Saint-Esprit dans nos vies, nous enseigner, effacer nos personnes afin que nos cœurs, nos esprits, nos âmes soient disposés à recevoir la plénitude de ta parole et être transformés par cette parole-là. Je te confie l'esprit, l'âme et le corps de chacun de tes enfants, que ton règne se fasse et que ta volonté puisse véritablement se manifester. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, toi qui bénis toutes les personnes connectées partout dans le monde, Seigneur notre Dieu. Béni sois-tu pour nos mamans connectées, pour nos papas connectés, pour les frères et sœurs connectés. Je vais enfin te dire merci pour tous ces témoignages extraordinaires, merveilleux, que tu essaies de répandre dans la vie de tes enfants. Quand toutes choses, la gloire, la louange te reviennent, c'est dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié. Amen, amen, amen. Alors, bienvenue à chacun de vous. Bonne arrivée à tout un chacun. Marie Lacra, Ange Tatiana. Merci à Myriam Vanessa Kouassi, Marilyn Dediou, René Kofi, toujours fidèle. Merci infiniment à Martha Douko. Merci à Montego Adjo. Je pense que c'est une nouvelle. Que Dieu vous bénisse, Azara Bio. Que Dieu te bénisse, Martha Adouko. Que Dieu te bénisse. Dieu va nous enseigner. Abadji Elvis, connectez-vous, partagez. Partagez. Dieu va nous bénir fortement par sa parole. Dieu va nous bénir par cet enseignement qui va aider chacun de nous à savoir lire, méditer la parole de Dieu. Quand on dit lire la parole de Dieu, c'est quoi? Méditer la parole de Dieu, c'est quoi? Et qu'est-ce qu'on doit regarder quand on lit la Bible? Qu'est-ce qu'on doit regarder quand on médite? Quelle attitude avoir? Et qu'est-ce qu'on recherche dedans? D'abord, il faut savoir que la parole de Dieu est la parole, pas d'un homme, mais de Dieu. C'est Dieu qui nous parle à travers sa parole. Et si nous voulons être des intimes de Dieu, il faudrait que nous soyons des intimes de sa parole. Il a dit dans sa parole en Jean 1, verset 1, tu peux prendre crépin, Jean 1, verset 1, Jean 1, verset 1 à 2, Jean 1, verset 1 à 2, la parole de Dieu est merveilleuse. Nous allons prendre quelques citations avant de commencer effectivement, le temps que beaucoup de personnes se connectent, nous sommes à l'heure, nous n'avons pas assez de temps, c'est un petit poteau. Jean 1, verset 1 à 2 dit quoi? Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement. Elle était au commencement avec Dieu. Amen. Amen. Elle était au commencement avec Dieu. Amen. Vas-y, nous rendons grâce à Dieu. Vas-y encore. Toutes choses. Oui. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait. Et rien de ce qui a été fait. N'a été fait sans elle. N'a été fait sans elle. Vous voyez comment est-ce que cette parole est importante. Là, c'est vraiment depuis le verset 1 à partir du verset 1. Lisons encore. Au commencement était la parole. Au commencement, c'est-à-dire avant tout, au commencement, au début, était la parole. Mais qui était la parole? Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Dieu est égal à sa parole. Vous voyez, Dieu est égal à sa parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu est égal à sa parole. À chaque fois que vous lisez, à chaque fois que vous méditez la parole de Dieu, c'est comme si vous entreprenez un cheminement avec Dieu. Vous êtes en train de marcher avec Dieu dans sa parole. Amen. Vous êtes en train de marcher avec Dieu. Oui. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle. Vous voyez l'importance de la parole. Toutes choses ont été faites par elle. Voilà pourquoi il est important pour nous qu'un chrétien sérieux puisse avoir une intimité avec la parole de Dieu. Il est impossible que tu sois un chrétien mature sans la parole de Dieu à travers cette vérité qui dit au commencement, cette parole était avec Dieu. Et rien de ce qui a été fait. Rien de ce qui a été fait. Il a dit que la lumière soit, et elle fut, il a parlé, il n'a pas fabriqué la lumière, il a dit que la lumière soit, et elle fut. Et tout ce qui a été fait n'a été fait, a été fait sans elle. Tout ce qui, oui, répondez-moi. Et rien de ce qui a été fait. Et rien de ce qui a été fait. N'a été fait sans elle. N'a été fait sans elle. Rien de ce qui a été fait, ce qu'on voit là, les cieux, la terre, etc. Tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est la parole de Dieu qui a produit tout ça. Alors, l'importance pour nous en tant que chrétiens de considérer la parole de Dieu au sérieux, de la prendre au sérieux, surtout nous, chrétiens catholiques, notre tête est dure. La parole de Dieu, désormais, on doit la manger. Amen. Amen. Moi, je vais vous donner un témoignage. Quand j'étais tout petit,
Je n'étais pas encore chrétien catholique. Et je recevais la visite des témoins de Jéhovah. Amen. Ne les critiquez pas. Ils ont eu au moins le mérite de faire ce que je vais vous dire. À chaque fois qu'ils venaient, ils faisaient ce qu'on appelle étude biblique avec moi. J'étais tout petit. Moi, j'étais curieux. Je voulais connaître Dieu. Amen. Donc, ils viennent. Ils m'ont dit quelque chose de très important. Ils m'ont dit, c'est la parole de Dieu. Donc, pour toi, c'est important. Si tu dois la bosser par cœur, il faut la bosser par cœur. Amen. Il me disait, par exemple, de bosser l'ordre des livres de la Bible. Par exemple, il disait, boss, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Esdras, Néhémie, Esther, etc. Matthieu, Marc, Luc, Jean, etc. Ils disent, la parole est tellement importante que quand tu dois chercher un passage, si tu connais l'ordre chronologique, tu sais que tel passage est soit dans le Nouveau Testament, soit dans l'Ancien Testament. Amen. Maintenant, dans le Nouveau Testament, tu sais à peu près c'est entre tel livre et tel livre. Ou bien dans le Nouveau Testament, tu sais par exemple que tout ce qui est hier, c'est quelque part là-bas. Philippiens, Corinthiens, etc. Donc, on appelle ça accès direct, rapide. Amen. En informatique, il y a l'aspect direct, il y a l'aspect séquentiel. L'aspect séquentiel, tu es obligé de parcourir le fichier du début jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tu tombes sur ton élément. L'aspect direct, il y a une clé d'identification rapidement. Paf, les informaticiens savent de quoi je parle. Amen. Mais il faut donner un passage à un chrétien. Je ne dirais pas le nom chrétien. Il faut lui dire tel passage. Un passage du Nouveau Testament, il va commencer par chercher ça dans l'Ancien Testament. Amen. Amen. Nous sommes là pour casser cette ignorance-là. Tu es désormais un chrétien sérieux et tu dois avoir les arguments sérieux. Donc, quand on va décortiquer cet enseignement, tu sauras effectivement qu'il ne faut pas blaguer avec la parole. On dit au commencement, au début, les choses sont au début. Il faut prendre ça en considération. Et Dieu même dit que rien n'a été fait sans cette parole. Voilà pourquoi dans les commandés le matin, voilà pourquoi dans les prières, on parle en fonction de la parole parce que la parole de Dieu a déjà fait ses preuves. Amen. La parole de Dieu a déjà fait ses preuves. Voilà pourquoi quand tu pries et que tu es sûr que tu as une intimité avec la parole de Dieu, tes prières ont une importance véritable. Amen. Parce qu'elles sont basées sur la parole. Une prière qui est remplie de la parole de Dieu est une prière qui a plus de probabilité d'être exaucée. Amen. Parce que tu dis à Dieu, ta parole dit qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, tu lui feras une aide. Alors, me basant sur cette écriture, Seigneur, où se trouve mon mari? Quand tu es au procès comme ça, que tu sens les dossiers comme ça, les argumentaires comme ça, on dit, lui, là, il est seul, il peut gagner son procès. Maintenant, Seigneur, quand ma victoire, ta victoire est basée sur quoi? Qu'est-ce qui engage Dieu? L'une des choses qui engage Dieu, c'est sa parole. Si tu ne la connais pas, tu es ignorant, il dit, Osée 4, verset 6, mon peuple périt, mon peuple meurt, mon peuple est détruit, faute de quoi? Connaissance, faute de révélation. Tu es chrétien catholique, la parole de Dieu est à l'est, toi tu es à l'ouest. Amen. Et puis tu veux que Dieu change quoi dans ta vie? Il est lié à sa parole. Même la foi, Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de quoi? La parole de Dieu. Mais tu fais rien à la parole de Dieu. Et puis tu dis, homme de Dieu, prie pour moi pour que j'aie la foi. C'est pas comme ça. On ne peut pas faire les choses en dehors de la parole, même le discernement que tu recherches. Il y a des gens qui disent, mais comment je sais que ce que Dieu me dit, c'est ce que j'entends bien, ce que je reçois là, ça vient de Dieu. Mais ça vient de Dieu quand tu compares ce que tu as reçu là avec la parole. Ça ne doit jamais aller en contradiction avec la parole de Dieu. Dieu ne se contradit pas. Voilà pourquoi il est important pour toi que tu connaisses la parole, que tu la médites. Plus tu médites la parole, plus tu la comprends, plus tu es ancré dans la présence de Dieu à travers ses paroles, plus tu deviens un homme spirituel. Amen. Sérieux dans sa marche et dans sa consécration. Donc, ne blague pas avec la parole de Dieu. Ne la limite pas à un feuillet. Amen. Ne la limite pas à un feuillet. Ne lis pas la Bible de temps en temps. Lis-la tous les jours. Psaume 119, verset 105. Ta parole est quoi? Est une lampe à mes pieds et une quoi? Une lumière sur mon sentier. Le discernement, la direction divine dans ta vie. Elle se retrouve à travers la parole de Dieu. Plus tu lis la parole de Dieu, plus tu deviens sage. Amen. Celui qui dit qu'il manque de sagesse, je lui dis, va lire Somme, va lire Proverbe. Tu seras très intelligent. Tu vas commencer à avoir des idées de sagesse, des idées d'intelligence, etc. Parce que le proverbe, là, ça te parle. Amen. Donc, il y a tout dans la parole de Dieu. Il y a vraiment tout dans cette merveilleuse parole. Amen. Donc, on commence. Comment lire et méditer la parole de Dieu? Nous allons prendre quelques éléments qui vont nous aider à étayer cet enseignement-là. Comment lire et méditer la parole de Dieu? Comment interpréter la Bible? Il est très important d'interpréter la Bible de manière correcte
pendant votre temps de recueillement, c'est-à-dire le temps que vous passez seul à seul avec le Seigneur, le temps que vous passez seul en prenant cette Bible et en la méditant, en l'ouvrant, en la méditant. Amen. En l'ouvrant, en la méditant. Il est important. Il est important de savoir véritablement méditer cette parole-là. Il vient voir. Il est important de méditer. Il est important. Il est important de la méditer. Il est important d'avoir un temps véritablement. Excusez-moi, je suis en direct, ce n'est pas le moment. S'il vous plaît, de m'appeler. Il est important de méditer cette parole-là. Et comment méditer? Qu'est-ce qu'on doit savoir à travers cette parole que nous méditons? Ce sont ces points-là que nous allons pouvoir véritablement étayer à travers cet enseignement. Et vous allez voir que les choses seront plus claires. Amen. Donc, je disais donc, il est très important d'interpréter la Bible de manière correcte pendant votre temps de recueillement. Parce qu'on a dit comment lire et méditer la parole de Dieu. Comment lire? Les gens vont dire, ah, mais quand je lis là, je ne comprends pas ce que je dis. Les arguments qui vont suivre après vont vous aider à comprendre et à méditer, à placer les éléments dans un contexte, de sorte à ce que vous puissiez comprendre et méditer ce qui est écrit dans cette parole. Mais d'abord, comment lire et méditer la parole de Dieu? La méditation de la parole de Dieu consiste à réfléchir longuement sur ce que vous êtes en train de lire, soit sur un personnage de la Bible, soit sur un passage de la Bible, mais à réfléchir. Qu'est-ce que Dieu me dit? Qu'est-ce que je tire comme conclusion? Qu'est-ce que je tire comme entreprise? Qu'est-ce que je tire comme résolution? Quelles sont les choses à faire? Quelles sont les choses à ne pas faire? Et comment est-ce que je dois obéir moi personnellement et nous en communauté? Amen. Maintenant, lire et méditer la parole de Dieu doit se faire quoi? De façon lente, de façon attentive et de façon répétitive. Je reviens encore. Méditer la parole de Dieu, c'est la lire lentement. Tu n'es pas pressé, on ne te poursuit pas. De façon quoi? Répétitive. Tu ne lis pas ça une fois pour pouvoir comprendre. Laisse la chose être communiquée à toi. Laisse la chose être ingurgitée en toi. Lentement, attentivement et de façon quoi? Répétitive. Amen. De sorte à ce que pendant que tu es en train de faire cet exercice de réflexion à travers ces trois éléments, l'Esprit de Dieu puisse véritablement te rencontrer, te dire telle chose que tu lis, voilà ce qui est derrière, de façon concrète. Amen. Maintenant, comment est-ce que je mets dans les conditions pour que je puisse tirer le véritable essence ou bien l'un des éléments qui puisse être ces éléments-là que Dieu a prévus, que je comprenne à travers cette parole. Donc, ce sont des bâquilles que je vais donner à travers ce qui suit là. Maintenant, n'oubliez pas quelque chose. Le Saint-Esprit est l'auteur de la parole de Dieu. Par conséquent, il est celui qui peut nous aider à bien la comprendre. Voilà pourquoi, avant de lire la parole de Dieu, ce n'est pas ce qu'il faut comme ça. Non, ça là, faut quitter ce stade. Tu décides de lire la parole de Dieu. Par exemple, tu décides de commencer à lire la parole de Dieu à travers quoi? Le Nouveau Testament. Amen. Moi, c'est ce que je conseille. Le Nouveau Testament, ceux qui font les premiers pas dans la parole, commencez à lire à partir du Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Il faut dire que la Bible est divisée en deux. Hein? Il y a l'Ancien, AT, le Nouveau Testament, NT. Amen. Ceux qui ne savent pas. Des fois, tu dis un livre du Nouveau Testament, tu leur dis, ils ne savent pas si c'est nouveau, si c'est l'Ancien Testament. Non. Donc, je te conseille, si tu fais tes premiers pas dans la lecture et dans la méditation de la parole, de commencer par lire quoi? Le Nouveau Testament, c'est-à-dire à partir de Matthieu. Maintenant, quand tu lis, quand tu médites, voilà ce que tu dois faire. Ce que tu dois faire, c'est de méditer cette parole-là à travers ces éléments que j'ai donnés là. De lire ça de façon attentive, doucement, tu n'es pas pressé. De façon répétitive et de façon quoi? Attentivement, répétitive et puis quoi? Attentivement, de façon lente. Lente, voilà. Prends ton temps. Amen. Maintenant, n'oublie pas, et c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, que c'est le Saint-Esprit qui est l'auteur de la parole de Dieu. Donc, avant de lire, ne te jette pas dedans. Parce que tu vas interpréter de la mauvaise manière. Avant de commencer, l'auteur de cette parole-là, tu lui demandes, « Ah, Saint-Esprit, j'ai besoin que ce que je vais lire, là, tu puisses m'éclairer. » Quand tu prends 2 Pierre 1,
verset 20 à 21. 2 Pierre 1, verset 20 à 21. 2 Pierre 1, verset 20 à 21. 2 Pierre 1, verset 20 à 21. Oui, vas-y. Sachons-vous d'abord vous-même. Aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Oui. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Oui. Mais c'est poussé par l'Esprit, par le Saint-Esprit, que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Répond encore. C'est pour dire que l'auteur de cette parole-là, c'est le Saint. Il y a des gens qui disent que ce sont les hommes qui ont écrit. Non. C'est le Saint-Esprit qui les a poussés à écrire. Tout ce... Mais regardez même la logique, regardez tout ce qui est écrit. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Un homme ne peut pas écrire ça. Oui. Sachant tout d'abord vous-même. Sachant tout d'abord vous-même. Qu'aucune prophétie de l'Écriture. Qu'aucune prophétie de l'Écriture. Ne peut être un objet d'interprétation. Ne peut être un objet d'interprétation. Oui. Car ce n'est pas par une volonté d'homme. Ce n'est pas par une volonté d'homme. Qu'une prophétie a jamais été apportée. Qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Parole du Seigneur notre Dieu. Maintenant, je vais vous donner 9 clés pour interpréter la Bible correctement. 9 clés pour interpréter la Bible correctement. 9 clés, 9 bâtis pour interpréter correctement la parole que tu lis. Pour ne pas rentrer en brousse. 9 clés pour interpréter la Bible correctement. Amen. 9 clés pour interpréter la Bible correctement. 9 clés. C'est bon? La première clé. Lisez le texte dans son contexte. Ouh, c'est une rime, ça. Lisez le texte dans son contexte. La première clé, le premier baki, pour ne pas rentrer en brousse quand il lit la Bible, c'est de lire le texte dans son contexte. Amen. Il y a des gens, quand tu leur donnes des passages, ils ne lisent pas ce qui vient avant. Ils ne lisent pas ce qui vient après. Ils lisent le texte et ils interprètent. Lisez le texte dans son contexte. On va développer ce que signifie lire le texte dans son contexte. Amen. Donc, 9 clés pour interpréter la Bible correctement. 9 bâtis pour interpréter la Bible correctement. Première clé, lisez le texte dans son contexte. Ça signifie quoi? Chaque mot doit être lu dans le contexte des autres mots du verset. Chaque mot doit être lu dans le contexte des autres mots du verset. Ensuite, chaque verset doit être lu dans le contexte du chapitre. C'est ce que je disais. Chaque verset doit être lu dans le contexte du chapitre. Le verset là, il est un chapitre, il est dans un chapitre. Quel est le contexte dans lequel ce verset là est? C'est dans quel chapitre? On parle de quoi? Amen. Ensuite, chaque chapitre de la Bible doit être lu dans le contexte de l'ensemble du livre. Amen. Donc je reprends, chaque mot doit être lu dans le contexte des autres mots du verset. Chaque verset doit être lu dans le contexte du chapitre. Ensuite, chaque chapitre de la Bible doit être lu dans le contexte de l'ensemble du livre. On peut faire dire à la Bible presque tout ce que l'on veut. Vous savez ça, non? On peut faire, on voit les défis sur Internet, on peut faire dire à la Bible tout ce que... On peut prendre beaucoup de femmes, on peut essayer. Tout le monde parle de la Bible, tout le monde interprète. Amen. On peut faire dire à la Bible tout ce que l'on veut. On dit, Salomon, là, il avait plusieurs femmes. Donc, Dieu n'a pas dit forcément qu'on doit avoir une seule femme. Salomon, il avait plusieurs femmes, il avait plusieurs concubines, etc. Donc, nous, on peut avoir plusieurs femmes, n'est-ce pas? On peut faire dire, mais quel est le contexte? On peut faire dire à la Bible presque tout ce que l'on veut. Tout ce qui est pris hors de son contexte devient alors une bizarrerie. Amen. Par exemple, on peut faire dire à la Bible, il n'y a point de Dieu. Vous savez ça, non? Je vais vous donner le passage. Psaume 14, verset 1. Répète-lui. Psaume 14, verset 1. On peut faire, voilà le danger. Voilà le danger quand vous lisez la Bible. Si vous ne lisez pas, les mots dans le contexte des autres mots, le verset dans le contexte du chapitre, et le chapitre de la Bible dans le contexte de toute la Bible, voilà ce qui peut arriver comme dangerosité. Psaume 14, verset 1, ça dit quoi? L'insensé dit à son cœur. Il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu. Point. Donc, il y a un gars, tu as lui dit, il faut méditer ça. Il va dire, la Bible même dit qu'il n'y a point de Dieu. Amen. Donc, vous voyez comment c'est dangereux. Quand vous remettez la phrase, il n'y a point de Dieu dans son contexte, vous obtenez un message différent. Le message, c'est quoi? Quelqu'un va couper. Il va dire, au lieu de dire, l'insensé dit, il n'y a point de Dieu. Il va dire, il n'y a point de Dieu.
Alors que toute la France, c'est quoi? L'insensé dit, c'est l'insensé qui dit, il n'y a pas Dieu. Sinon, quelqu'un qui est normal, là, il sait qu'il y a Dieu. Amen. Donc, vous voyez, il est important de lire la Bible dans son contexte, le verset dans son contexte, les mots dans leur contexte. Amen. Donc, c'est le premier Bakhi. Si vous prenez certains textes du... Bon, toujours dans le premier Bakhi, certains textes du Cantique des Cantiques, en contexte, vous pouvez aller jusqu'à penser que la Bible traite de la pornographie. Dis amen. Il faut aller lire Cantique des Cantiques. Amen, amen. Quand tu lis Cantique des Cantiques, là, tu as l'impression même que la Bible parle de pornographie. Si tu lis ça en contexte, alors c'est dangereux. C'est dangereux. Deuxième Bakhi pour lire efficacement la Bible. Comment lire et méditer la parole de Dieu? Ce sont les éléments qui vont nous aider à lire. Méditer, je vous ai dit, c'est réfléchir longuement sur ce que vous êtes en train de lire. C'est-à-dire lire lentement cette parole-là. Lire de façon attentive et lire de façon répétitive. À chaque fois que tu lis plusieurs fois, tu commences à être envahi. Maintenant, n'oubliez jamais, celui qui écrit la Bible, c'est qui? Celui qui a inspiré toutes ces personnes, c'est le Saint-Esprit. Donc, tu demandes toujours au Saint-Esprit, « Ah, c'est que je vais lire là. » Pardon, si tu me laisses moi seul là, c'est moi qui vais comprendre à ma manière, mais toi-même aide-moi à comprendre. Voilà pourquoi il est important, Esprit Saint, Esprit de vérité, viens m'éclairer, viens m'enseigner, viens toi-même m'enseigner. C'est l'enseignant par excellence, justement, le Saint-Esprit. Amen. Deuxième clé, ne spiritualisez pas la signification des mots. Ne spiritualisez pas la signification des mots. Ne spiritualisez pas la signification des mots. Les gens sont tout experts. Ne spiritualisez pas la signification des mots. Oh, j'aime ce qui se passe là actuellement. Ne spiritualisez pas la signification des mots. Je m'explique. Si vous prenez le langage dans son sens littéral, vous éviterez de vous tromper. Amen. Prends ça. Quand tu lis là, prends ça de façon littérale. Sinon, tu vas te tromper. Quand la Bible dit, par exemple, c'est par ses maîtrises que nous sommes guéris. Isaïe quoi? 53, verset 5. C'est ça? C'est par ses maîtrises que nous sommes guéris. Nous n'avons pas besoin de spiritualiser la signification du mot guéri. Amen. On trouve facilement la définition du verbe guéri dans le dictionnaire. Guéri là, voilà ce que ça signifie. Il ne faut pas spiritualiser. Ce que ça dit là. C'est ce que ça dit. Point. Guéri, c'est délivré d'un mal physique. Ça, c'est la signification d'un dictionnaire. Guéri, là. Délivré d'un mal physique. Rendre la santé à quelqu'un. Faire cesser une maladie. Ou bien guéri, ça signifie quoi? Délivré d'un mal moral. Ou bien guéri signifie recouvrer la santé. Disparaître, il s'agit de la maladie. Ou bien guéri, ça signifie quoi? Être débarrassé d'un mal moral. Ça, c'est le dictionnaire Robert qui le dit. Donc, il n'y a aucune raison de spiritualiser ou de prendre le sens d'un mot pour en faire une allégorie. Comme vous pouvez le voir, le verbe guérir peut également contenir le sens délivré d'un mal moral. Donc guérir, ça peut être physique comme spirituel, moral. Amen. Par exemple, dans le contexte de Matthieu 8, verset 17. Matthieu 8, verset 17. 16 à 17, il faut qu'on répète Matthieu 8, verset 16 à 17. Regardez, ce que la Bible dit, qu'elle dit là, c'est ce qu'elle dit pas. Il ne faut pas spiritualiser. Il dit pas ses maîtres ici, pas ses blessures sur la croix. Je suis guéri. Quand il prend cette parole, elle devient une réalité pour toi. C'est ton rêve. Mais donc, dans la méditation, comment lire et méditer la parole de Dieu? Ah, c'est pas ses maîtres ici que je suis guéri. Pas ses maîtres ici. Donc, c'est pas ses blessures. Donc, ce qu'il a fait sur la croix là, ça m'a apporté la guérison. Il ne dit pas que je serai guéri. Vous voyez la méditation, à force de réfléchir, à force de repenser plusieurs fois, tu commences à comprendre le contexte et tu commences à comprendre que ce n'est pas maintenant que tu vas guérir, mais tu as été guéri. Et dit, ce n'est pas ces meurtres, ce n'est pas ces blessures, qui Jésus-Christ sur la croix, que nous sommes guéris. Donc, je suis déjà guéri parce qu'il a fait sur la croix il y a plus de 2000 ans. Amen. Amen. Lise, Matthieu 8, verset 16 à 17. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassant les esprits par sa parole. Et il guérit tous les malades. Afin que s'accomplisse oui. Ce qui avait été annoncé par Isaïe, oui. Le prophète, il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Quelqu'un, par exemple, qui est malade,
Il peut prendre cette parole-là, il peut dire, ah, c'est la révélation. Le frère Pascal vient me donner cette parole avec laquelle je vais méditer. Sachant que la parole de Dieu est un médicament. Quand tu dors, tu as cette parole-là, tu la médites, c'est-à-dire tu peux même la prononcer, tu peux la ressasser dans ton cœur. Ah Seigneur, par ton esprit, je suis guéri. Tu as pris sur toi toutes mes infirmités, tu t'es chargé de toutes mes maladies. Tu as pris sur toi toutes mes infirmités, tu t'es chargé de toutes mes maladies. Et ça devient une prière pour toi. Tu commences à remercier Dieu. Tu rentres dans cette réalité de la parole de Dieu. Oh, la parole de Dieu étant puissante, étant vivante, étant efficace. Waouh! Tu commences à être visité par la puissance et l'esprit qui se trouve dans la parole de Dieu. Jean 6, verset 63. Dis quoi? La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. L'esprit qui vivifie. Les paroles que je vous ai dites sont quoi? Esprit et vie. Chaque parole de la Bible contient l'esprit et la vie du Christ. Le Saint-Esprit, le flot de résurrection, se trouve dans ces paroles-là. Chaque fois que tu médites, quelque chose sort de la parole et entre en toi. Si tu médites, par exemple, ce que je conseille, tous ceux qui sont malades et qui ont besoin de guérison, tous ceux qui sont opprimés, dépressifs, etc., prenez tous les passages bibliques qui parle, qui entre dans le contexte dans lequel vous êtes attaqué ou bien vous avez un problème. Par exemple, la maladie. Vous recensez le passage biblique qui parle de guérison. Jésus-Christ a guéri les malades. Jésus-Christ a fait ceci. Par ses maîtres ici, je suis guéri. Tu recenses et puis tous les jours, tu te lis ces passages-là. Tu lis, tu relis, tu médites, tu lis. Il y a un médicament, il y a une puissance qui va sortir de ces paroles-là. Il va s'abattre sur toi et tu verras la puissance de Dieu va te restaurer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un secret dans la méditation de la parole de Dieu. Hein? Il y a un secret. Ta Bible est trop restée sous la poussière. Alors qu'il y a un secret. Tout le monde sait, c'est cette histoire où quelqu'un fait un chèque de l'argent à quelqu'un qui était dans le besoin et a déposé depuis son baptême, bien, je ne sais pas, un truc comme ça, une histoire comme ça, vous l'avez tout entendu. Et puis, à un moment, il galérait. Et il allait voir cette personne qui lui a offert la Bible-là. Ah, je galère tout. Le gars lui a dit, est-ce que tu lis ta Bible? Il dit, non, je lis ma Bible tous les jours, je lis ma Bible. Et effectivement, le gars ne lisait pas. Parce qu'au milieu de la Bible, il y avait un trésor, il y avait un chèque qui l'attendait, de l'argent, une somme. En fait, c'est juste une histoire, mais c'est pour vous dire qu'il y a des trésors dans cette parole-là. Voilà pourquoi tous ceux qui viennent... Homme de Dieu, prie pour moi. Je leur dis, allez, c'est la parole de Dieu. Je suis ici dans cette vie-là. Amen. Voilà pourquoi nous prenons le temps de faire cet enseignement. Comment lire, méditer la parole de Dieu. Troisième baki. Croyez ce que vous lisez. Amen. Croyez quoi? Ce que vous lisez. Exode 14, verset 21 à 22. Croyez ce que vous lisez. Quand tu lis la Bible, il faut croire. Si tu ne crois pas, rien ne va se passer. Parce que ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu pour toi. Exode 14, verset 21 à 22. Oui. Moïse étendit sa main sur la mer. Oui. Et l'Éternel lui foula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Et il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entraient au milieu de la mer. Amen. La mer à sec. Exode 14, 21 à 22. Ok. Les enfants d'Israël entraient au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Relis encore, on n'a pas bien compris. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel la mer par un vent toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entraient au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il étendit la mer sur la mer rouge et que les eaux se fendirent. Vous devez croire que c'est exactement ce qui arriva. Dis Amen. Si tu spiritualises, tu vas te créer des problèmes. Dieu a divisé la mer en deux. Les gens ont traversé cette mer à pied sec. Quand ils regardent à droite, balèze aquarium. Quand ils regardent à gauche, balèze aquarium. Amen. Ils ont traversé ça. C'est ce même Dieu à qui tu as donné ta vie. Donc, quand tu regardes les exploits du Seigneur à travers son peuple avant, tu es conforté de savoir que c'est ce même Dieu-là que tu loues, que tu célèbres. Donc, il est capable aussi de diviser tout ce qui est comme mer rouge dans ta vie. Dis Amen. Quatrième baki. Découvrez le sens des mots hébreux et grecs à partir desquels la traduction en français a été faite. Amen. Ça, c'est pour aller plus en profondeur. Découvrez le sens des mots hébreux et grecs à partir desquels
la traduction en française a été faite. Parce que vous savez que la Bible a été traduite jusqu'à, par exemple, descendre chez nous dans le français. Mais il y a l'origine des mots. Hein, c'est, la Bible n'a pas été écrite en français, hein. Ni en anglais. Ça vient. Découvrez le sens des mots hébreux et grecs à partir desquels la traduction en français a été faite. Amen. J'explique ce passage-là. Chaque fois que le texte est traduit d'une langue dans une autre, il s'avère assez difficile de trouver la traduction correcte. Amen. Nous avons rencontré de telles difficultés. À chaque fois qu'il y a une interprétation, au fur et à mesure qu'on interprète, des fois, on n'a pas forcément l'authenticité, sinon le sens total de ce qu'on veut exprimer. Amen. L'interprétation de ce que Dieu dit devient plus claire quand vous avez le privilège de comprendre la langue à partir de laquelle la Bible a été traduite. Voilà pourquoi il y a certains qui étudient l'hébreu, etc., des choses comme ça. Plus tu te rapproches de la traduction originale, plus tu as même de comprendre ce que tu es en train de lire. Amen. Donc, découvrez ce sens-là. Mais ça, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné. Tu peux faire des recherches poussées, etc. Mais ce que je te conseille aussi, c'est de faire quoi? De lire et de méditer la Bible dans plusieurs versions. Amen. Aide toujours plusieurs versions. Il ne faut pas avoir une seule Bible. N'est pas une seule Bible, est plusieurs versions de la Bible. De sorte à ce que tu lises ici, le passage là, tu lises dans l'autre version, etc. Et puis tu comprendras. Amen. Ça, c'est un autre baki. Cinquième petit point, interpréter correctement les signes de ponctuation. Amen. Interpréter correctement les signes de ponctuation. Interpréter correctement quoi? Les signes de ponctuation. Interpréter correctement les signes de ponctuation. Amen. Quand vous lisez, quand vous méditez la parole de Dieu, vous n'êtes pas rentré en brousse. Il faut interpréter correctement. Il y a des gens, ils ne mettent pas, quand ils écrivent, mais ils ne mettent pas ponctuation. Donc, pour eux-mêmes, c'est compliqué. Quand tu lis là, il faut interpréter correctement les signes de ponctuation. Amen. Les signes de ponctuation tels que le point, les virgules, les deux points et les points-virgules revêtent une signification importante. Quand tu lis ta Bible, fais attention aux points. Fais attention aux virgules, fais attention aux deux points, fais attention aux points-virgules. Quand vous les laissez de côté, vous risquez de commettre des erreurs. Amen. Par exemple, les deux points indiquent que le texte qui suit explique plus en détail ce qui vient d'être dit. Les deux points expliquent que le texte qui suit explique plus en détail ce qui vient d'être dit. Amen. Ce point 5 dit interpréter correctement les signes de ponctuation. C'est important quand tu lis, quand tu médites la parole de Dieu, de ne pas zapper les points virgules, les deux points. C'est ce que ça veut dire. Sixième petit point. Comprenez le contexte de ce que vous êtes en train de lire. Comprenez le contexte. Entre parenthèses, la personne, le lieu et le temps. Comprenez le contexte. Entre parenthèses, la personne, le lieu, le temps. Oh, Salomon avait plusieurs femmes. Salomon faisait ceci, tant. Donc, moi, je peux faire parce que c'est dans la Bible. Parce que c'est dans la Bible, là, c'est trop général. C'est dans la Bible, dans quel contexte, qu'est-ce qui a été fait et quelles ont été les conséquences. Amen. Quand vous lisez même Salomon, mais vers la fin, là, c'est pas reluisant. Hein? Mais quand vous lisez David vers la fin, là, on fait la talakou de David jusqu'à présent. David est respecté. Amen. Comprenez le contexte. Sixième point. En parenthèse, la personne, le lieu et le temps. J'explique. Il est important de comprendre les circonstances qui entourent l'auteur. Il est même plus révélateur de connaître la date et le lieu où la lettre a été composée. Par exemple, quand Paul a dit qu'il fallait que l'on soit soumis aux autorités, il s'adressait aux Romains. Amen. Les Romains étaient alors dirigés par un dictateur qui les opprimait. Il s'agissait de l'empereur Néron. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action. C'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité, fais le bien et tu auras son approbation. Amen. Cette instruction est intéressante quand vous comprenez la situation dans laquelle le croyant se trouvait. Dieu montrait qu'il était sage de se soumettre aux autorités. Il est intéressant également de noter que le christianisme s'épanouit davantage sous les régimes tyranniques que sous la démocratie. Cela faisait peut-être partie de la sagesse de Dieu.
afin que les gens croient en lui. Amen. Philippiens 3, verset 1, ça dit quoi? Philippiens 3, verset 1. Quand vous lisez la Bible, regardez toujours dans quel contexte. Paul s'adressait aux Romains, il s'adressait aux chrétiens de Corinthe, il s'adressait aux chrétiens de Philippe. On dit, l'aide de Saint Paul aux Corinthiens. Hein? Ça veut dire qu'il s'adressait aux chrétiens de Corinthe, aux Philippiens. Il s'adressait aux chrétiens de Philippe. Il y avait des chrétiens là-bas. Amen. C'était des lettres qu'il adressait. Ce sont des instructions qu'il donnait de la part du Seigneur. Amen. Oui. Oui. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire oui. La même chose. Et pour vous, cela est salutaire. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Donc, il est important, pour terminer avec ce point, ce sixième point, connaître le contexte, c'est-à-dire le lieu, la date et l'auteur ne signifie pas que l'on rejette des textes imprescriptibles, mais plutôt qu'on essaie de mieux les comprendre. C'est important. Quand tu lis, c'est dans quel contexte? Il y a les prologues, etc. Avant de commencer même un livre, il faut essayer de lire le contexte. Les gens, il y a des gens même qui zappent ça même. Ils ne lisent pas le contexte. Et boum, on dit de lire telle chose, je suis dedans. Non, il faut lire le contexte dans lequel on va rentrer dans ces écrits qui vont suivre. C'est important. Septième point, septième baki. Lire, comment lire et méditer efficacement la parole de Dieu. Examiner les documents séculiers qui éclairent davantage les Écritures. Examiner quoi? Les documents quoi? Séculiers qui éclairent davantage les Écritures. Les documents séculiers, vous avez dit quoi? Ceux qui comprennent le français là. Examiner les documents séculiers. Hein? Vous ne savez pas. Les documents d'aujourd'hui, de nos jours, de notre siècle, il faut les examiner pour voir que ce que tu es en train de lire là, ça va dans le contexte. Amen. Et ça, c'est une petite parenthèse. Vraiment, si on finit cet enseignement-là, je vais vous conseiller de regarder le film. C'est quoi? Jésus la preuve, non? Jésus la preuve. Il y a un film chrétien où il y a une dame qui avait accepté le Christ, et le mari était journaliste. Et il déniait la Bible. Et Jésus l'enquête, voilà. Et regardez, c'est un super film qui va vous aider à d'abord aimer Dieu, à donner votre vie à Dieu, et puis à voir que la Bible est la réalité parce qu'il a mené les enquêtes de façon scientifique et de la position d'un incrédule dur. Il ne sait pas qu'on n'étudie jamais la parole de Dieu sans avoir les séquelles. Et les séquelles, c'est quoi? Tu finis par tomber dans le piège. Tu donnes ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Donc, regardez ce livre-là. Les gens qui ont la tête dure, là, dites-leur qu'il y a un film pour toi. Si tu n'aimes pas Dieu, si tu ne veux pas, il faut regarder le film. Il a étudié dans le contexte historique, la parole de Dieu, les faits, etc. Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas un mensonge? On dit que le tombeau est vide. Est-ce qu'il ne s'est pas caché? Est-ce que Jésus-Christ même est vraiment ressuscité? Blablabla. Pourquoi? Conclusion, il s'est fait prendre. Il a donné sa vie à Christ. Ça va t'arriver au nom de Jésus. Donc, examiner les documents séculiers qui éclairent davantage les Écritures. C'est-à-dire, les données historiques, archéologiques, géographiques et culturelles. Par exemple, permettre de mieux comprendre ce que la parole de Dieu dit. Je crois qu'on a même retrouvé où se trouve effectivement où a été trouvé l'âge de Noé. L'âge de Noé, quand il y a eu l'inondation, l'âge de Noé est parti. Apparemment, ça s'est posé sur le mont Arara, et quelque chose comme ça. Ce sont des faits réels, hein. Ce sont des faits réels. L'âge de Noé, ce sont des faits réels. Allez-y en Israël, vous allez voir. Il y a beaucoup, la Bible est vraie. Elle est tellement vraie que c'est l'un des livres les plus vendus au monde, sinon le premier jusqu'à présent. Amen. Et ça ne cesse de parcourir les siècles, et ça va continuer jusqu'à la fin. Huitième, ceux qui ne croient pas en la Bible, ils ont un problème. Interpréter l'écriture à l'aide de l'écriture. Interpréter l'écriture, comment lire et bien méditer la parole de Dieu, ce sont les questions que je suis en train de vous donner. Interpréter l'écriture à l'aide de l'écriture. Interpréter la Bible à l'aide de la Bible. Amen. Interpréter l'écriture à l'aide de l'écriture. J'explique ce point, huitième point. Interpréter chaque passage à la lumière de l'ensemble de l'enseignement de la Bible. L'écriture ne peut pas se contredire. Hein? La Bible, c'est ce que je vous disais. La Bible ne peut pas se contredire. Interpréter l'écriture à l'aide de l'écriture. La Bible ne peut pas se contredire.
Dieu ne peut pas se contredire. Dieu est égal à sa parole. Quand vous voyez les différentes parties de la Bible qui semblent être difficiles à comprendre, ne luttez pas avec des textes isolés. Amen. La Bible doit être interprétée dans le contexte des autres parties des Écritures. Par exemple, quand vous lisez certaines parties de l'Ancien Testament, vous pouvez penser que Dieu souhaitait massacrer de nombreuses personnes, n'est-ce pas? Zekena, la terre s'ouvre comme ça, et puis ça avale les gens. On dit non, que Dieu dit, de passer les gens c'est un terme qu'il faut tuer tout le monde. Passer, j'ai oublié le terme là. J'ai oublié ce terme là. Mais quand le Seigneur donnait ces instructions là, tu es femme, tu tues en femme, enfant, même pour les cabres, tout ça, tu tues. J'ai oublié le thème. Passer au tranchant de l'épée. Au tranchant de l'épée. Mais il y a un autre thème qui dit. Oh, j'ai oublié, j'ai trouvé ça plus tard. Donc, quand tu lis l'Ancien Testament là, tu penses que Dieu là, il tue, il extermine. Mais si vous considérez ces passages dans le contexte d'autres parties de l'Écriture, vous découvrirez que Dieu aime tous les hommes et qu'il veut que tous soient sauvés. Amen. 2 Pierre 3, verset 8 à 9. Il lit la parole de Dieu. Oui. Mais il est une chose, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer. Il est une chose que vous ne devez pas ignorer, c'est quoi? C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans comme un jour. Oui. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Oui. Comme quelqu'un le croit. Comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous. Oui. En voulant pas. Ne voulant pas. Ne voulant pas qu'aucun périsse. Mais voulant. Mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ça, c'est ce que notre Dieu dit. Ça, c'est une adresse à toutes les personnes qui disent qu'elles ont suffisamment péché pour que Dieu ne les aime pas. Et puis, elles croient en ce que tous les chrétiens, certains chrétiens orgueilleux qui pensent qu'eux, ils sont déjà arrivés au paradis, les condamnent. Amen. Dieu dit qu'il ne veut pas qu'un seul de ses enfants que nous sommes périsse. Mais il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il parle de nous. Nous tous, il veut qu'on soit, on arrive à la repentance et qu'on puisse se réconcilier avec lui et bénéficier de la vie éternelle, voisin au ciel. Amen. Vous découvrirez également que Dieu déteste le péché qu'est le meurtre. Amen. Proverbe 6, verset 16 à 17. Lisons. Oui. Proverbe 6, verset 16 à 17. Il y a 6 choses que est l'éternel. Il y a 6 choses que est l'éternel. Et même 7 qu'il en a horreur. Et même 7 qu'il en a horreur. Les yeux hautains. Les yeux hautains. La langue menteuse. La langue menteuse. Les mains qui répandent le sang innocent. Les mains qui répandent le sang innocent. 18. Oui. Le cœur qui médite des projets iniques. Le cœur qui médite les projets iniques. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Les faux témoins. Les faux témoins. Qui dit des mensonges. Oui. Et celui qui incite des querelles entre frères. Et celui qui incite les gars qui chauffent au lion, qui mettent les gens en palabre. Dieu est. Il faut relire ça. Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils sont dans paix. Il faut relire ça. C'est ça aussi, méditer la parole de Dieu. Si tu médites la parole de Dieu, si tu lis la parole de Dieu, il y a des choses quand tu as à faire. Tu vas te rendre compte que ce n'est même pas ton voisin ou ta voisine, mais ta copine qui a problème. C'est plutôt Dieu même qui n'aime pas, il hait ce que tu es en train de faire. C'est mieux d'avoir problème avec un homme que d'avoir problème avec Dieu. Relis. Il y a 6 choses que l'éternel. Il y a 6 choses que est l'éternel. Il y a 6 choses que est l'éternel. Et même 7 qu'il a en horreur. Et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains. Les yeux hautains. La langue menteuse. La langue menteuse. Les mains qui répandent le sang innocent. Les mains qui répandent le sang innocent. Le cœur qui médite des projets iniques. Le cœur qui médite les cœurs mauvais qui médite les projets iniques. Oui. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Les papatos qui vont faire le mal, là. Oui.
Les faux témoins. Les faux témoins, ils n'ont rien vu. Hein. Ou bien ils ont vu et puis. Attends, crépin. Ils ont vu et puis ils sont en train de déformer la réalité, oui. Qui dit des mensonges. Qui dit des mensonges. Et celui qui incite des querelles entre eux. Et celui qui chauffe réunion des gens pour créer la division. C'est ça que Dieu n'aime pas. Dieu est ça. Parole du Seigneur notre Dieu. Neuvième bac pour lire, comment lire et bien méditer la parole de Dieu. Ce sont des éléments qui vont vous aider dans ce que vous serez en train de parcourir la parole de Dieu. Et dans, en cela, vous saurez effectivement ce que Dieu est en train de vous dire et vous aider à grandir. Le neuvième point, le neuvième paquet, je vous l'ai dit, l'auteur de cette parole, celui qui a inspiré les auteurs de la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit de vous enseigner sa parole. Je répète, neuvième point, demandez au Saint-Esprit lui-même de vous enseigner sa parole. Même quand vous allez dans une retraite, un temps de prière, quand il y aura un temps de parole, etc. Même quand vous allez à la messe, même quand vous allez dans votre culte, demandez que le Saint-Esprit vous parle à travers celui qui est en train de prêcher. Demandez que le Saint-Esprit vous parle. Ne demandez pas que la personne là vous parle, celle qui est devant vous, mais demandez que le Saint-Esprit vous parle à travers elle, comme actuellement on est en train de parler. Demandez que ce ne soit pas le frère Pascal qui vous parle, mais que ce soit le Saint-Esprit qui vous parle à travers ce qu'il dit. Amen. En fin de compte, c'est Dieu qui peut vous enseigner sa parole. Il nous a donné le Saint-Esprit dans ce but précis. Amen. Vous comprenez? C'est Dieu qui nous parle à travers sa parole. C'est Dieu qui nous parle quoi? À travers sa parole. Il nous a donné le Saint-Esprit dans ce but précis. Il nous a donné sa parole quoi? Dans ce but précis. Demandez au Saint-Esprit de vous enseigner sa parole. Ça, c'est un baki. Demandez au Saint-Esprit lui-même de vous enseigner sa parole. Jean 16, verset 13, quelqu'un prend ça. Jean 16, verset 13. Oui, vas-y. Quand le consolateur sera venu. Quand le consolateur sera venu. L'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Car il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Et il vous annoncera quoi? Les choses à venir. Parole du Seigneur notre Dieu. Amen. Il vous dira quoi? Reprends encore, ça me plaît ce passage-là. Quand le consolateur sera venu. Quand le consolateur sera venu. L'esprit de vérité. Oui. Il vous conduira dans toute la vérité. Mm-hmm. Car il ne parlera pas de lui-même. Car il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il vous annoncera. Dis encore, il faut que ça soit clair. Quand le consolateur sera venu. Quand le consolateur sera venu. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Car il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Et il vous annoncera les choses à venir. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Amen. Donc, c'est quelques éléments que je voudrais vous partager avant que nous passions à la série des questions. Mais je le répète encore. Quelqu'un va me demander, ah, mais comment méditer même concrètement la parole de Dieu? Comment la lire, la méditer? Amen. Comment la lire, la méditer? Ce que je vous suggère, un, il y a ce qu'on appelle le calendrier liturgique. Tous les jours, il y a les passages qu'on nous donne. Il y a eu un découpage de sorte à ce qu'on puisse lire la Bible tous les jours et la parcourir entièrement. Amen. Il y a un découpage liturgique. L'une des choses que je vais vous demander, c'est que vous preniez l'engagement par le Saint-Esprit de dire, aide-moi à lire entièrement la Bible chaque année. Amen. Il n'est jamais trop tard. On est déjà en mai. Au lieu de la fin de janvier, tu peux même commencer, après cet enseignement-là, dès demain, à commencer à lire la Bible à partir du Nouveau Testament. Ça, c'est un élément. Tu te donnes, par exemple, comme défi de lire la Bible, 4 chapitres. De la lire et de méditer 4 chapitres, mais 3 chapitres ou 2 chapitres, ça dépend de toi, par jour. Je l'ai dit, méditer, c'est lire attentivement, de façon répétitive et de façon lente, de sorte à ce que tu puisses laisser le Saint-Esprit lui-même te remplir de sa présence, t'expliquer ce que ce passage-là signifie.
Et pour comprendre et pour bien méditer, pour ne pas rentrer en brousse, quand tu médites, ce sont ces neuf éléments à qui je donne, pour ne pas que tu rentres en brousse. Amen. Ça, c'est une première piste. La deuxième piste, pendant que tu es en train de lire la Bible de façon séquentielle, c'est-à-dire, tu es en train de lire Matthieu, après tu as passé à Marc, Luc, Jean, jusqu'à Apocalypse, c'est-à-dire le Nouveau Testament. Et quand tu auras fini ça, tu peux partir maintenant à Genèse et lire. Ça ne fait rien. Il y a des parties de la Bible, là, c'est un peu ennuyeux. Les lits, les noms, etc. Il faut lire, ça ne fait rien. Il faut lire. Ça ne fait rien. Il faut lire. Amen. Il ne faut pas sauter. Il faut lire. Il faut lire. Ça va te faire du bien. Amen. Pendant que tu es en train de parcourir la Bible là, de façon séquentielle, je peux te suggérer aussi de lire des livres chrétiens qui vont faire quoi? Qui vont te permettre aussi d'avoir des accès directs. Par exemple, pendant que tu es en train de lire de façon séquentielle, tu peux lire un livre qui te dit, prends tel passage qui se trouve ici, tu prends, tu lis. Donc, tu es en train de multiplier tes chances d'être en puissance dans la parole de Dieu. Amen, ça ne gêne pas. Ne dis pas que, bon, comme je suis en train de lire de façon séquentielle, quand il est fini, et je vais prendre quelque chose d'autre pour lire comme ça. Non, tu peux croiser. Le but, c'est que tu te satures le plus rapidement et le plus solidement de la parole de Dieu. Et rien de tel que de parcourir la Bible et de se laisser remplir de cette parole-là de façon régulière. Amen. Donc, c'est un autre baki. Un autre baki, moi, qui m'a aidé dans la lecture et dans la méditation de la parole de Dieu, c'est le temps de recueillement. Le temps que l'on passe seul avec la parole de Dieu. Par exemple, quand on finit de commander le matin, que tu as le temps, on a fini de bombarder, casser, briser. C'est un temps favorable. Tu prends les tests du jour et puis tu lis. Ou bien, dès qu'on a fini, qu'il y a la messe, parce que les messes vont reprendre, je vous l'avais dit, il n'a pas dit Seigneur, dès qu'on finit de commander le matin, que tu es prêt, tu vas à la messe. À la messe, il y aura les passages du jour. Tu vas les entendre, tu vas les méditer. Donc, ne dissocie jamais prière avec parole. C'est-à-dire, ce n'est pas prière ou parole. Non, c'est les deux. Parole et prière, parole et prière, parole et prière, parole et prière. Il y a un homme de Dieu qui avait une telle intimité avec la parole de Dieu qu'il ne pouvait pas passer, je ne sais pas si c'est 20 minutes en dehors de la parole. C'est-à-dire, il peut causer avec toi. Quand son timing de 20 minutes arrive, il se déconnecte de toi et puis il prend sa Bible, il lit un peu. Et puis après, il revient avec toi, il lit un peu. Vous savez pourquoi il fait? Crépin, prend Josué 1, verset 8. Il obéit simplement à la parole de Dieu. Josué 1, verset 8. Il y a des gens qui disent, homme de Dieu, je veux réussir. Mes affaires ne réussissent pas. C'est bloqué. Mon mariage de... Je vais te donner le secret. Tu veux le secret, non? Tu aimes Baki, non? Tu aimes le secret, non? Je vais te donner le secret. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est. Car c'est alors que tu auras du succès. Actuellement, voilà. Il y avait un problème de réseau là, mais ça va actuellement. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Hein? Médite le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. Parle, médite, parle. Oh, l'Éternel est mon berger, je manquerai de rien. Ah, Seigneur, merci. Les psaumes. Les psaumes. La fois dernière, je crois, c'est à une retraite, j'ai donné un exercice spirituel concernant les psaumes. Amen. J'avais donné un exercice spirituel concernant les psaumes. Par exemple, tu peux commencer à lire les psaumes, un psaume par jour, la nuit. Tu vas voir ce que ça va prendre. J'ai dit, lis seulement à haute voix. Un psaume par jour. Il y a combien de psaumes? 150. Tu lis les psaumes par jour. Tu vas voir, ta vie ne sera plus jamais pareille. Montre-moi un chrétien qui lit la Bible. Je te montre un chrétien mature, puissant, victorieux. Amen. Consistant dans la foi et audacieux. Tenace. Donc, lis les psaumes. Lis la parole de Dieu en puissance, point dans la parole. De la même manière dont tu t'en puissances dans la prière, en puissance soit dans la parole de Dieu tous les jours. Tous ceux qui n'ont pas Bible, allez-y acheter Bible. Tous ceux qui n'ont pas Bible, allez-y acheter Bible. Ayez au moins deux Bibles, Bible d'études. Faites des études. Lisez, méditez, lisez les livres chrétiens en puissance. Vous écoutez les enseignements. Pendant les enseignements, quand on dit ouvrez les Bibles, ouvrez-les pour méditer. Ce sont des exercices. Il y a des gens qui n'ouvrent pas aussi bien pendant les temps de prière et ils n'ouvrent pas quand ils vont s'asseoir pour réécouter. Ce sont des exercices. Si tu ne t'entraînes pas à cela, ce n'est pas bon.
Et des temps où tu es là dans la nature, en train de lire, en train de méditer la parole de Dieu, tout ça, c'est pour bon pour toi. Amen. C'est cela même. Donc, la méditation de la parole de Dieu fait que tu deviens mature. Tu te remplis de la parole de Dieu. Tu deviens audacieux. Dieu te donne des révélations. Dieu t'éclaire. Dieu te fortifie. Quand tu es face à un problème, le Saint-Esprit fait sortir la parole qui est adéquate à la situation dans laquelle tu te trouves et puis te donne. Par exemple, si tu es attaqué dans un rêve, quand tu te réveilles en sursaut, il y a une parole que le Saint-Esprit fait sortir. Isaïe 54, verset 17. Tout homme forgé contre toi sera sans effet et toute langue qui se lève. Ah, quand le Saint-Esprit te rappelle cette parole, tu sais que tu as la victoire et puis tu libères cette parole et puis tu dors à nouveau. Amen. Donc la parole de Dieu, elle est puissante, elle est efficace. Ne joue pas avec cette parole-là. Hein? Ne joue pas avec cette parole-là. Amen. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Le psaume 119, c'est long, mais c'est rempli de baki dedans. On va lire un peu. Alors, moi, j'aime ça. On fait exercice en même temps. Psaume 119. Répète-moi son psaume. Moi aussi, j'ouvre ma Bible. Il y a des gens, c'est sur le téléphone, sûrement, ils ont Bible. Ils n'ont même pas Bible comme ça. La technique, ça va? Ou bien c'est le réseau, ça va? Ça va. Psaume 119. Psaume 119. Oui, répète. On commence à partir du verset 1. On va lire quelques trucs. C'est exercice spirituel. Psaume 119. Ok. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Ça parle. Hein? Qui marchent selon la loi de l'Éternel. Oui. Heureux ceux qui gardent ses préceptes. Mm-hmm. Qui le cherchent de tout leur cœur. Oui. Qui ne commettent point d'iniquité, oui, et qui marchent dans ses voies. Mm-hmm. Tu as prescrit tes ordonnances, oui, pour qu'on les observe avec soin. Oui. Puisse mes actions être bien réglées, mm-hmm, afin que je garde tes statuts. Oui. Alors je ne bougerai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai, mm-hmm, dans la droiture de mon cœur, wow, en apprenant les lois de ta justice. Well. Je vais garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Pause. Regardez même ce psaume 119 là. Ce sont des bois qui même qui peuvent inspirer tes prières. Je veux garder tes statuts, Seigneur. Ne m'abandonne pas entièrement. Je veux garder. Comment le jeûne... Regardez. Et ça, ce sont des secrets qui vont t'aider spirituellement ou physiquement à réussir dans cette vie-là. Regardez. Comment le jeûne que tu es, comment le jeûne homme rendra-t-il pur son sentier? Chrétien, la réponse est quoi? Ça, c'est la méditation d'entre les faits. En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Wow. Ne me laisse pas égarer. Pause. Regarde, donc, dans la méditation, tu es en train de lire ça. Comment le jeûne rendra-t-il pur son sentier? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier, sa route, son pèlerinage sur cette terre? Tu es en train de réfléchir. Et puis, voilà le Seigneur qui donne la réponse. En se dirigeant d'après ta parole. Ah bon? Donc, si je suis sur cette terre encore d'ivoire dans le monde, comment est-ce que je vais m'en sortir en me dirigeant quoi? Pas d'après la parole de mon tonton, de ma tante, pas d'après ce que le monde me sait, mais d'après quoi? La parole de Dieu. En bon. Donc, si je marche selon la parole de Dieu, je suis sûr que je n'ai pas rentré en brousse. Maintenant, qu'est-ce qui suit? Je te cherche de tout mon cœur. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. En méditant, tu comprends qu'il faut chercher Dieu, pas partiellement. Voilà pourquoi je dis toujours, un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Cherche Dieu de tout ton cœur. Et demande à Dieu, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Ça peut t'inspirer dans les prières. Et puis quoi? Ce qui suit? Je sais quoi? Je sais ta parole dans mon cœur. Dans mon cœur. Afin de ne pas pécher contre toi. Contre toi. Donc, comment ne pas pécher? Tu peux te dire, ah, mais le péché, je pêche facilement. Regarde, plus tu lis la Bible, plus tu médites la parole de Dieu, moins tu vas glisser. Les histoires de j'ai glissé. Ou bien tu es tombé là. Les histoires, tu tombes et tu retombes là. C'est un baki pour ne pas tomber et retomber. Plus tu lis la Bible, plus tu la médites régulièrement, plus il y a une capacité de Dieu qui s'installe en toi. Il y a une sainte horreur du péché qui s'installe en toi. Il y a les traits, les caractères de Dieu qui s'impriment en toi. De sorte à ce que Dieu qui n'aime pas le péché, toi aussi tu vas finir par ne pas être à l'aise avec le péché. Mais ça se fait plus tu lis, tu médites la parole de Dieu. Attends, quelqu'un qui est constamment dans la parole tous les jours, ça sera difficile pour lui de tomber. Il n'a pas dit que ça sera impossible. Ça sera difficile pour lui de tomber. Parce que c'est comme si c'est régulièrement, il met le parfum de la présence de Dieu. Amen. Continue la parole. On est en train de méditer. C'est un exercice pratique. Béni sois-tu, ô Éternel. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. Regardez, demandez à Dieu pour être
sûr de ne pas rentrer en brousse dans votre marche sur la terre. Oh Seigneur, enseigne-moi tes statuts. Oh, enseigne-moi tes statuts. Je sais que sans tes statuts, là, je suis en brousse, je suis perdu, je suis dans le pain. Oh Seigneur, enseigne-moi tes statuts. Voilà, quand on dit élever la voix de prière, toi, tu dis 2 secondes de prière. Parce que tu n'as pas l'habitude de rentrer dans la parole de Dieu. Regarde par exemple le psaume 119. On va revenir au psaume 119. Regarde. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. Amen. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Aïe. Si l'Éternel est mon secours, moi j'ai la capacité de me réjouir à la vue. C'est comme ça qu'on médite. Si l'Éternel est mon secours, j'ai la capacité de me réjouir en face de mes ennemis. Alors, qu'est-ce qu'on a dit la fois dernière, tout à l'heure dans l'enseignement? On dit prendre la Bible, il ne faut pas spiritualiser tout. C'est qu'elle dit là, c'est ça qu'elle dit. Par exemple, dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il dit, je dresse une table devant toi. En face de moi, qui? Mes adversaires. Ça, c'est ce que Dieu fait. Amen. Vas-y encore. On médite, ce sont des 6 parties. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Oui. Je me réjouis en suivant tes préceptes. Je me réjouis en suivant tes préceptes. Comme si je possédais tous les trésors. Ouh! Comme si je possédais tous les trésors, oui. Je médite tes ordonnances. Je médite tes ordonnances. Oui. J'ai tes sentiers sous les yeux. Oui. J'ai tes sentiers sous les yeux. Sous les yeux. Oui. Je fais mes délices de tes statuts. Je fais mes délices de tes statuts. Ça veut dire quoi? Je me délecte dans ta parole. Je m'en puissance. J'aime ta parole. J'aime ta présence. J'aime ta parole. Le témoignage que j'ai toujours gardé de mon frère Cadio Vincent, c'est que quand on est allé, tu le vois toujours dans sa chambre, la Bible ouverte. Vincent même voit ta Bible même. La Bible ouverte, il est en train de méditer. Des fois, il médite jusqu'à il dort, la Bible ouverte. Il se relève, il y a la Bible dans sa main. Et tu sais qu'il y avait quelque chose qui tirait dans sa Bible. Ça veut dire ça, il y a multiplié, mon cher. Multiplié, il vient de son intimité avec Dieu. C'est d'abord un berger. Amen. Donc, tous, vous montrez-moi. Maintenant, actuellement, c'est la génération pressée. Les gens n'ont pas le temps de lire la Bible. Ils veulent que Dieu soit automatiquement un magicien pour eux. Homme de Dieu, j'ai tel problème, appuie sur 1. Homme de Dieu, j'ai tel problème, appuie sur 2. Homme de Dieu, j'ai problème de visa, appuie sur 3. Homme de Dieu, j'ai problème de visa, appuie sur 4. Quand c'est fini, bye bye, pas d'intimité avec Dieu. Il ne veut pas être consistant, il ne veut pas être mature. À chaque fois, il veut aller à l'hôpital. Amen. Amen. Oui. Je n'oublie pas ta parole. Je n'oublie pas ta parole. Fais du bien à ton serviteur. Fais du bien à ton serviteur. Que je vive. Que je vive. Pour que je vive. Et que j'observe ta parole. Répondrai la fin. Pour que je vive. Et que j'observe ta parole. Et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Pour que je contemple les merveilles de ta loi. Ça c'est Psaume 119, verset 18. Hein, ouvre mes yeux. Pour que je contemple les merveilles. Ça c'est un baki que je te donne. À chaque fois que tu vas lire la Bible, quand tu demandes au Saint-Esprit de t'aider à lire, il faut prendre ce passage-là. Que ce soit ta prière. Répète, redis ce passage. C'est un baki qui va noter. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Pour que je contemple les merveilles de ta loi. Pour que je contemple les merveilles de ta loi. Seigneur, ouvre mes yeux. C'est pas tes yeux physiques là. Les yeux intérieurs. Ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi. Ouvre mes yeux. Et tu verras le Seigneur agir en conséquence. Amen. Voilà. Donc, c'est ce qu'on peut dire. C'est ce qu'on peut dire pour l'instant. Et je m'attends à vous à travers vos séries de questions, et on va essayer de répondre. Que Dieu vous bénisse, et qu'à travers ces échanges-là, il nous reste, on va jusqu'à 30, c'est ça? Il est 17h04, on va jusqu'à 30, on va essayer d'échanger maintenant, à travers la parole de Dieu. Elle est merveilleuse. Si tu as compris, il y a un passage là, si tu as compris, non, la parole de Dieu, tu ne vas plus la lâcher. Tu ne vas plus la lâcher. Et puis, prenez l'habitude de prier. Ceux qui intercèdent là, ceux qui intercèdent là, prenez l'habitude de prier avec la. Un jour, je suis allé à un temps d'intercession. Nous, on dit on prie, là, on ne prie pas. Hein? Je suis allé à un temps d'intercession avec mon père, le fondateur Daniel Akas. C'était un temps d'intercession pour la Côte d'Ivoire, la nation. Ah! On a commencé à 9h, debout. On a fini à 14h. Intention de prière, passage biblique pour étayer cette intention de prière. Intention de prière, passage biblique pour étayer cette intention de prière. Intercession. Regardez,
tant que vous priez et que vos prières sont remplies de la parole de Dieu, inspirées par la parole de Dieu, vous êtes efficient, efficace dans votre prière et vous avez la probabilité grande d'avoir un exaucement de la part du Seigneur. On ne prie pas dans le vague. Hein? Toi, arrête, toi, ce chrétien catholique-là, arrête. Il n'y a pas du nous tous en est comme ça. Mais arrête de prier au hasard. Arrête de prier avec les émotions. Prie avec la parole. Qu'est-ce qui engage Dieu dans ce que tu es en train de dire là? Qu'est-ce qui engage Dieu dans ce que tu es en train de dire? Il faut que sa parole l'engage. Qu'est-ce qui engage Dieu? Qu'est-ce qui engage Dieu? Prends la parole. Si tu es malade, prends tout ce qui est comme passage biblique. Lis, médite, remédite, prie, médite. Et puis prends à Dieu. Tu as dit, Seigneur, que 3 Jean 2 dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu aies une bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Oh Seigneur, toi-même, tu as dit. Ou bien Matthieu 8, verset 17, quand on a lu là, tu as pris sur toi toutes nos infirmités, tu t'es chargé de toutes nos maladies. Ah Seigneur, je crois en toi. Donc voilà pourquoi je m'appuie sur cette parole-là pour constater ma guérison. Pas maintenant, mais tu as déjà fait cette guérison-là. C'est comme ça qu'on prie, on est efficient dans la prière. On devient chrétien solide. Parce que ce que Dieu dit dans sa parole de Dieu, là, l'engage. Dieu est égal à sa parole. Mais si tu ne connais rien de ça, comment est-ce que tu veux être efficient dans la parole? Homme de Dieu, depuis là, j'ai prié, viens l'échange. Homme de Dieu, je suis fatigué. Tu n'es pas encore fatigué. Tu n'es pas encore fatigué parce que tu n'as pas épuisé toutes les ressources, toutes les âmes. Toutes les âmes. La parole de Dieu est efficace. Elle est plus quoi? Tranchante, plus une pied, à double tranchant. Amen. Donc, question. Nous attendons vos questions, vos préoccupations pendant ce temps. Et je suis en train de féliciter ma parole, méditer. Amen. Question, préoccupation. En attendant, on va s'en puissancer un peu. J'attends les questions, les préoccupations. Question, préoccupation. Question, préoccupation. Ah, ça c'est une bonne question. Attends, on va écouter un peu. Tu as noté ça, hein? Note, au fur et à mesure, note et puis on va prendre. Donc, on retient quels sont les moments efficaces. Ah, moi, c'est tôt le matin. Tôt le matin, où tout est calme, etc. Là, c'est mieux. Je viens juste après ce chant prophétique là et puis je viens, on va répondre. Pour en prendre une série de 5 questions, puis on va répondre. D'accord, oui. On appelle ça. Oui. Tu notes. On appelle ça étude biblique, c'est qu'elle est en train de dire. Oui, c'est ça. Bon, on va commencer à répondre. Bon, ça fait combien? On prend 5 ans. Ah,
Daddy, je vous laisse, oui. S'il y a une différence entre lire la parole sur le portable ou dans une Bible, quelle est la Bible conseillée? Ça, c'est une bonne question aussi. Claudine, les Bibles. Bon, ça fait 5, non? Si ça fait 5, allez, ouais, ouais. Ça fait 5. Voilà, on va commencer à répondre. On va commencer à répondre. Voilà, voilà. Merci pour toutes ces questions. Je sais qu'on ne va pas finir aujourd'hui, mais c'est un petit poteau, comme je l'ai dit, petit poteau. On aura l'occasion d'aller plus en profondeur les autres fois. Alors, Crépin reprend. Quels sont les moments idéaux de la journée pour méditer la parole? Moi, je vous dirais tôt le matin, c'est fantastique. Ou à un moment, moi, je me réveillais à 4 heures. Avant, quand je ne faisais pas la commande le matin, je me réveillais très tôt à 4 heures. Je suivais une émission sur une chaîne. Ta parole est-il dans mes pieds et lumière? Moi, je cherche la parole. Où il y avait la méditation de la parole. On étudiait la parole, on méditait, on disait quels sont les points à suivre, quels sont les points à ne pas suivre, quelles résolutions tirer. Et quand tu écoutes tôt le matin, tout est calme. Tu médites, c'est extraordinaire. C'est comme si Dieu entend de te parler. Donc, je te suggère, tôt le matin, si tu veux, après le commander le matin, comme on est ensemble, si tu as encore du temps, 1h45 de méditation de la parole, c'est bon. Maintenant, en journée, entre midi et 2, si tu jeûnes, tu peux ne pas sortir pour aller manger parce que Matthieu 4, verset 4 dit « L'homme ne viendra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Tu peux reprendre ce que tu as lu à méditer tôt le matin et puis reméditer. Amen. Donc, je te suggère, où c'est calme, où c'est… Vous voyez, le matin, il n'y a pas de coin, bruit, etc. Tu t'en puissances dans la parole de Dieu. Dieu te parle, tu reçois des révélations. Voilà, c'est ce moment-là qui est propice de ma part. Voilà, pour moi. Oui? Il me semble que la méditation peut se faire… Oui, moi je suggère que tu le fasses d'abord toi seul. Il faut apprendre à être seul avec le Seigneur, à prier seul avec le Seigneur et à méditer seul avec le Seigneur. Maintenant, quand tu as cette intimité seul, vous pouvez organiser ce qu'on appelle des études bibliques en groupe. Lui là, vous donnez un passage, vous priez par rapport à ce passage que le Saint-Esprit vous inspire et puis il y a un partage. Ah, moi, voilà ce que le Saint-Esprit me dit par rapport à ce partage. Donc, il y a un échange concernant la parole de Dieu et puis ça vous édifie. Et la partie que Dieu t'a pas donnée comme révélation, l'autre personne donne la révélation, etc. Et puis vous tous, vous vous en puissancez. Mais il faut que toi-même seul, personnellement, tu aies ce moment-là. Il ne faut pas compter sur le groupe seulement. Il faut que toi, d'abord, tu aies cette fondation-là, d'avoir une intimité personnelle avec le Seigneur. Oui, oui. Ok, ok. Est-ce que la méditation de la parole dans la soirée? Les gens de la com me disent que dans notre application, Healing Clinic, c'est ça. Il y a une lucarne dans l'application pour échanger par rapport à des passages bibliques. C'est-à-dire, tous ceux qui sont connectés à cette application Healing Clinic, vous pouvez dans cette lucarne-là suggérer à quel passage. Est-ce qu'on pourrait, tous ceux qui sont connectés, est-ce qu'on peut discuter sur ce passage et puis vous pouvez interagir? C'est une sorte d'étude biblique que vous pouvez faire. Amen. Ce sont les bâquis que je vous donne. Oui. Est-ce que le fait de citer un verset biblique sans la référence a moins d'impact dans la prière? Moi, je dirais plutôt que citer, ne pas bien connaître le verset a moins d'impact. Voilà. Par exemple, tu ne connais pas bien le verset, ce n'est pas efficace. Regardez, quand tu vas même au procès, que tu lis un article, que l'article n'est pas approprié, tu vas rentrer en brousse, ou bien tu suggères une loi. Ah, d'après la loi, numéro, et puis tu cites le contenu de la loi, si le contenu est faux. Bon, d'abord même, tu ne connais pas la référence. Maintenant, tu cites même le contenu là, le contenu est faux. Ce n'est pas efficace, on ne va même pas prendre. Donc, c'est important, il n'y a pas de raccourci. Dis à ton voisin, il n'y a pas de raccourci. La parole de Dieu est une âme entre tes mains, c'est un manuel de vie pour toi sur la terre. Dieu a dit que c'est à travers ça, ce manuel-là, que tu as bien vivre ici et puis tu as préparé ton éternité. Quoi de plus essentiel que de l'étudier? Si tu as regardé le film, là, il y a un film là, sur Denzel Washington, il y a un film où il avait mémorisé par cœur la parole, le livre d'Élie. Le livre d'Élie,
Tellement c'était important. Si vous regardez bien le livre, là, le film là est un peu mystique façon. Si tu regardes bien, le bandit dans le film, comme tu aimes regarder le film, là, le bandit dans le film voulait tout, à tout prix prendre la parole de Dieu parce qu'il disait que s'il avait la seule Bible qui restait là, il allait être immortel. Amen. Donc, ils ont tout fait. Et Denzel Washington qui avait le livre là, quand il dit sur lui-même, ça ne rentre pas. Tellement il avait foi. Romains 10, verset 17. En fait, quand il lit le livre là, et quand tu regardes le film, là, tu as l'impression que le film, c'est un film. Mais regarde bien les conséquences du film et le message. Jusqu'ils ont pensé qu'ils avaient, ils lui avaient arraché le livre. En temps, il avait mémorisé la parole. Regarde, avant la Bible que tu vois, là, les gens n'avaient pas tout cet ensemble qui est là. Là, hein. Il n'y avait pas Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'était des parchemins. Toi, tu as la chance d'avoir tout ça regroupé dans, sur App Store, etc. Faut ton puissance. C'est ce qui va t'aider sur cette terre et au-delà de cette terre, t'ouvrir l'éternité. Donc, tu as intérêt à connaître la parole de Dieu. Il y a des gens qui vont me poser la question, est-ce que je dois apprendre par cœur? Si tu veux, tu apprends par cœur. Si tu veux, le fait d'être constamment dans la parole de Dieu, il y a des passages qui vont te marquer et de façon naturelle, tu vas les adopter, tu vas les comprendre. Mais n'est pas de raccourci. Tu es obligé d'être en contact avec la parole. Tu es obligé. Regarde, quand on te poursuit la nuit, quand tu te réveilles là, il ne faut pas dire un passage biblique. Il ne faut pas que le Saint-Esprit t'inspire. Ils vont te bamboulou. Amen. Pourquoi tu prends le psaume 91? Quand on te poursuit la nuit, tu te réveilles. Hein? Tu sais qu'il y a le psaume 91 qui est efficace. Mais pourquoi tu ne veux pas méditer? Tu ne connais pas les références. Tu ne veux pas méditer ça. De sorte à ce que ce soit. Même quand tu dors, même le psaume 91 est en train de réciter, d'être récité dans ton cœur. Dieu, il ne faut pas jouer avec ça. C'est quel film, Manuel Akran? C'est quel film? Le nom du film, s'il te plaît. Le film d'Elie. Le livre d'Elie, le film là. C'est le livre d'Elie. Elie, en grec, c'est H-E-L-I. H-E-L-I. Le livre d'Elie. Elie. Voilà, c'est Denzel Washington. Le livre d'Elie. Voilà. Je ne sais pas si il y a H dedans ou bien il y a E-L-I ou bien je ne sais pas. Mais il y a Denzel Washington, le livre d'Elie. Amen. Donc, ne jouez pas avec ça. On a trop dormi. On nous malmène parce qu'on n'utilise pas notre âme. Cette parole, notre âme chrétien catholique, réveille-toi. J'ai envie de te donner au contraire pour que tu te réveilles. Prends la parole de Dieu avec toi. Tu vas voir que ta vie va changer. Oui, question? Est-ce que la méditation de la parole dans la soirée est une sorte de commander la nuit? Non, ce n'est pas pareil. Commander, c'est prier. Il faut méditer, c'est différent. Ici, on ne parle pas de prier, on parle de méditer la parole de Dieu. Donc, ça n'a rien à voir. Y a-t-il une différence entre lire la parole sur son téléphone et puis lire dans la Bible? Et quelle version de la Bible est-ce? Il n'y a pas de différence entre lire la Bible sur ton téléphone et dans la Bible. Mais moi, je veux que tu aies ta Bible physique aussi, que tu lises. Amen. Il faut que tu aies des livres physiques. Regarde, petite parenthèse. Est-ce que vous savez l'enjeu qui est en train de se passer actuellement? Et pendant qu'on est en train de tendre vers la fin des temps, où on est, vous savez ce qui se passe. La Bible est tellement importante que ceux qui produisent la Bible, de plus en plus, beaucoup ne sont plus chrétiens en tant que tels. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ça, c'est un baki et c'est sérieux. C'est très sérieux. Amen. Le baki, c'est quoi? De plus en plus, les gens sont en train de tronquer la Bible. Les gens sont en train d'insérer leurs sentiments et leur valeur dans la Bible pour la détruire, pour la détourner et pour détourner les personnes qui lisent la Bible. Je m'explique. Il y a un passage de la Bible où on a enlevé même quoi? On a enlevé jeûne et prière. Il y a un passage. Maintenant, est-ce que vous savez qu'il y a des homosexuels aussi qui ont commencé à produire des Bibles? Amen. Pour laisser croire dans les écrits que c'est favorable. Faites attention, il y a des lobbies aussi qui produisent des Bibles. Ils savent qu'il y a une influence à travers la Bible. Donc, si on n'est pas sérieux dans notre engagement, il y aura des productions de Bible, mais ceux qui produisent les Bibles, là, s'ils ne sont pas de Dieu, vous imaginez, ils vont insérer tout ce qui est comme hérésie. Ils vont insérer des choses qui ne sont pas vraies. Ils vont détourner l'attention. Parce que tu ne lis pas la Bible, parce que tu n'es pas attaché à la Bible, oh, brou, on produit sûrement. Et tu commences à avoir les tendances dans la Bible selon lesquelles, ah, mais l'homosexualité, ce n'est pas une abomination. Dieu aime tout le monde. En fait, on commence à caresser dans le soyons ouverts. Non, Dieu aime les homosexuels, mais il n'aime pas l'homosexualité. Il a dit que c'est une abomination. Tu as changé ça comment? C'est Dieu. Ou bien? Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Et regardez, hein. Pendant qu'on a encore le temps, ça c'est un appel que je lance à tous ceux qui sont connectés. Pendant qu'on a encore le temps, payez les Bibles, lisez-les, méditez-les. Il y a des pays où si on te trouve avec la Bible, on te tue.
Le temps de la persécution est en train d'arriver. Toi, tu as l'attitude d'avoir plusieurs Bibles, de la lire, de la méditer. Le Seigneur a dit, pendant qu'il fait jour, prenez vos précautions. Quand la nuit va arriver, la nuit, c'est quand les ténèbres vont arriver. Quand le diable va se déchaîner, tu n'auras plus le temps de lire Bible, tout et tout. Tout ce qui va rester là, c'est ce qui est inscrit en toi comme Bible. C'est ce que le livre de lui est en train de dire. Donc, pendant que tu as encore le temps, qu'on te laisse lire la Bible, prends ce qui est ici là, dépose ça en toi, de sorte à ce que tu les mémorises. Si on interdit les Bibles, vous voyez, dans plusieurs pays, on commence à interdire les Bibles, on commence à persécuter les chrétiens. Eux, c'est fini pour eux, parce que toi, tu as déjà ça en toi, on ne peut pas. Pendant qu'il est encore temps, je le dis, c'est une parole prophétique, pendant qu'il est encore temps, lis la Bible. Il y a des gens qui lisent plus Facebook. Ils sont sur Facebook. Fil d'actualité. Mais ils ne lisent pas la Bible comme ça. Ils ne méditent pas. Ils méditent plus Facebook, WhatsApp que la Bible. Et puis, ils s'attendent à, homme de Dieu, tout est bloqué dans ma vie, tout est tout. Oh, homme de Dieu, prie pour moi. Tu ne fais rien avec Dieu dans sa parole. Et tu veux la conséquence de ceux qui lisent la parole sur ta vie. Ça ne marche pas comme ça. Amen. Donc, pendant qu'il est encore temps, lis-la, médite-la. En puissance, toi, paye plusieurs versions. Quelqu'un a demandé quelle version de Bible. Voilà. La version que tu as. Moi, par exemple, Tob, là, c'est un peu compliqué pour moi. C'est un peu compliqué. La Bible de Jérusalem, voilà. Tu es catholique, non, la Bible de Jérusalem. Il y a d'autres versions, français courant, etc. Où tu te sens mieux. Tu peux demander même à ton prêtre quelle version de Bible, ou bien à ton berger quelle version de Bible. Voilà, moi, j'ai ma version. Je ne te dirai pas la version. Après, c'est pour gâter mon nom quelque part. Moi, je lis la Bible, voilà. Donc, approche-toi de ton berger, approche-toi de ton, du prêtre, du curé. Quelle version de Bible? Moi, là, c'est compliqué pour moi de lire la Bible, voilà, la tombe. Voilà. Mais tu as la tombe, tu lis, tu as le français courant, parole de vie, etc. Il y a des versions, il faut regarder, mais il faut commencer. Il faut commencer. Amen. Oui. Avoir une explication de la parole après une seule lecture, est-ce méditer? Non, c'est pas méditer. J'ai dit quoi? Lis attentivement, de façon répétitive, de façon quoi? Attentive. De façon répétitive, de façon lente. Lis, c'est-à-dire laisse. Par exemple, quand tu manges là, dès que tu manges là, il y a le temps que la nourriture soit préparée pour être insérée dans ton corps, dans le sang. Donc, il y a un temps de digestion. Il y a un temps de digestion. C'est le temps de digestion là qui est la méditation. Tu laisses cette nourriture, la parole de Dieu, là, est digérée par toi, par ton esprit. Tu laisses être digérée. Amen. Donc, ce n'est pas une fois. C'est une génération pressée. Ça, quoi, ça, les résultats escomptés, là, ne sont pas là. Ah, tu m'as dit de lire, non? Quand tu donnes un passage à quelqu'un de lire, là, ou bien quand tu dis, quand par exemple, quelqu'un vient faire écoute avec moi, il dit, bon, prends tel enseignement, va écouter. La personne, soit la personne n'écoute pas, soit la personne écoute une fois et dit, oh, déjà, j'ai écouté, c'est bon. Tu n'as même pas pris le temps de t'en puissance, c'est bien. Tu écoutes. Il faut écouter plusieurs fois. Il faut lire plusieurs fois. Ce n'est pas magie. Il dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient quoi? De la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Si tu veux avoir la foi, ce n'est pas magie. Lis, médite plusieurs fois. Ta foi va grandir. Si tu ne te réveilles pas un peu, tu as la foi. Ça ne marche pas comme ça. Oui? Il nous reste 6 minutes. Demain, on va reprendre le commandé le matin. Je vais vous annoncer de bonnes nouvelles. À partir de demain, on aura 5 jours de jeûne. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Je vais vous donner les objets de ces temps de jeûne-là pour nous en puissancer. Ça sera la semaine, la série de victoires. Voilà. Série de grandes victoires la semaine prochaine. Nous allons nous lever dans la prière, commander, bombarder, prier, nous en puissancer, crier à Dieu. Que tous les projets de l'ennemi contre nos vies, contre nos familles, contre nos nations soient un échec. Les projets morbides. Que notre victoire soit éclatante en tout point de vue dans le nom de Jésus. Oui, question, préoccupation. Dernière question, apparemment. Dernière question. Regarde si je les vois tous ici. Frédéric Emmanuel, que Dieu te bénisse. Marie-Joël Kouakou, que Dieu te bénisse. Neden Mal, dis ton nom là pour prononcer, c'est compliqué. J'ai pris l'enseignement en cours. Théophile Kouetiko,
Depuis, on t'a dit enseignement, là, ça commence à 16h. Quand j'ai pris enseignement en cours. Oui? Bon, comme vous ne voulez pas parler, je vais mettre... on finit. On va finir, hein? On va finir. On va finir, on va finir. On va finir. Voilà, je pense qu'on va, on va terminer comme ça. Hein. On va terminer comme ça. Juste bénir Dieu pour vos vies. Je sais qu'on aura d'autres moments de prière, d'autres moments de rencontre, d'empuissancement. Je vais simplement dire merci à Dieu pour chacune de vos vies. Vous pourrez écouter ces enseignements après, sur YouTube, etc. Demain, lundi, c'est ça? Deux rendez-vous. Hein? Une dernière question, oui, on dit une dernière question. Comment coupler la lecture complète de la Bible avec les lectures liturgiques? Non, c'est pas compliqué. Hein. La lecture liturgique, là, c'est la lecture du jour. Mm-hmm. Tu prends, voilà pourquoi il disait que c'est un croisement qu'il faut faire. Plus tu te mets en contact avec la parole, c'est bon pour moi. Donc, ce que tu peux faire, la lecture du jour, tu la lis. Mais tu as dans ton programme. Par exemple, tu t'es dit que chaque jour, tu vas lire 3 chapitres par jour. Quand tu as fini de lire la lecture du jour, tu as fini de méditer, tu peux t'engager à suivre ton programme également. Par exemple, les 3 premiers chapitres de Matthieu, après les 3 prochains chapitres, etc. J'oubliais, quand vous lisez, quand vous méditez la parole de Dieu, ayez ce qu'on appelle un agenda ou un cahier. Moi, j'aime beaucoup les agendas. Ayez, je ne fais pas la publicité, je n'ai pas montré. Voilà, je cache. Ayez un agenda où vous marquez les passages qui vous ont marqué ou bien ce que vous avez ressenti. Vous mettez la date, méditation, vous mettez les passages que vous méditez et puis vous mettez les différentes résolutions ou bien ce que le Seigneur vous met à cœur pendant que vous êtes en train de méditer. Et ce que vous avez écrit doit vous servir à obéir parce que rien ne sert de lire, de méditer la parole de Dieu et, et la conséquence de tout ça, c'est que tu obéisses à ce que tu as lu et médité. Si tu ne le fais pas, c'est en vain. Donc, n'oubliez pas, ayez toujours de quoi écrire. Écrivez quand vous faites comme quand vous méditez la parole, quand vous lisez, c'est comme si vous êtes en train de faire une étude biblique. Amen. Vous parlez, vous laissez Dieu vous parler à travers sa parole, vous laissez Dieu vous parler à travers sa parole et puis vous notez les différents éléments. Amen. Donc, ayez toujours un agenda ou bien un livre ou bien un cahier de méditation de la parole de Dieu, c'est important. Vous êtes un étudiant de la parole de Dieu, n'oubliez pas. Un chrétien mature, c'est un chrétien qui étudie la parole de Dieu quotidiennement. Je lance un appel à tous ceux qui passent leur temps sur Facebook. Réduisez votre temps sur Facebook. Bon, quand vous avez commandé le matin, on comprend. Quand vous avez prié, mais les fils d'actualité, vous descendez, vous défendez, buzz ici, buzz 1, buzz 2, buzz 3, Ashuga Daddy, Mama Badi, tout ça là. Réduisez ça. Vous allez voir que vous aurez plus de temps dans la parole de Dieu. Ah! Ivoirien aussi. Vous aimez buzz. Faites le buzz dans la parole de Dieu. Oui? Est-ce qu'à la place du chapelet que je fais le soir avec mes enfants, nous pouvons lire la Bible quelquefois? Non, fais le chapelet et lis la Bible. Justement, faut lire la Bible et méditer la Bible. Quand vous finissez, ça va vous servir. Les éléments que vous allez tirer dans la parole de Dieu, là, vont vous servir peut-être des fois même d'intention de prière. Dans le chapelet. J'ai dit parole et prière. Parole et prière. C'est très bien. Faites prière et puis parole de Dieu. Mais la parole d'abord. Même avant de prier, même c'est conseillé même de méditer la parole avant de prier. Le temps de recueillement, là, le temps que tu passes seul avec le Seigneur, c'est important de méditer la parole de Dieu d'abord avant de prier. En plus de la Bible, est-ce qu'on peut se référer également au catéchisme de l'Église catholique? Oui, oui, il n'y a pas de problème. Mais la Bible, ça n'a qu'à être dedans. Bon, je pense que c'est fini. Hein. Il est 29, il faut respecter le temps. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain, 3h30, les commandos du matin. Ceux qu'on réveille toujours là, le feu sur vous. Vous toujours en réveil. Avant d'aller au paradis, on doit vous réveiller. Dormez sûrement. Quand ceux qui dorment là, ils ne rentrent pas au paradis. Tu dors. Si c'était un entretien d'embauche, quand on disait à 4h du matin, à 2h50, tu es déjà prêt. Ta veste, ta cravate, tu es déjà devant l'entreprise. Mais quand c'est pour Dieu, là, encore, tu es réveillé. Amen. Donc, commence à dormir dès maintenant. Pour être sûr d'être à l'heure demain. Donc, demain, commandez le matin. On va commencer. On va terminer la neuvaine, c'est ça, non? À Saint-Antoine de Padoue. Mm-hmm. Il y a de glorieux enseignements. Il y a de glorieux témoignages, etc. C'est vraiment merveilleux. Et ensuite,
Le soir? Le soir, à 21h. À 21h. Mmh. Voilà, il y a un enseignement. On finit l'enseignement, c'est quoi? C'était où, c'est quoi? C'était le Saint-Esprit. Voilà. C'était le Saint-Esprit, le séminaire sur le Saint-Esprit. À 3 maintenant, je crois. Voilà, suivez les enseignements. Parce qu'il faut être enseigné avant de prier, c'est important. Il y a des gens qui prient à son moment. Ah, le feu, le feu, le feu, le feu. Avant de mettre le feu là, il faut être enseigné. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse de partout dans le monde où vous nous suivez. Désormais, quand vous vous connectez, hein, mettez le pays d'où vous vous connectez, mettez la ville dont vous vous connectez, mettez la région dont vous vous connectez. On va faire des statistiques comme ça. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce et sa faveur vous accompagnent et qu'en toute chose, la gloire revienne à Dieu. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Oui. Voilà. Dieu vous bénisse encore et puis on termine. Shalom, 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 shalom. Qui m'attire tellement. Na Seigneur Salayengolo, ici Kabanda qui.